ça complique qu'enfin je pleure. Oh, de blessures, un sein, cicatrice, un deuil, un silence, un sacrifice. J'ai choisi, c'est mon tour, l'univers des rêves libres. Juste en équilibre, comment faire? Illustrer un petit peu l'univers musical de Thierry Romanence. Ouais. À fond. Non, c'est vachement dur. Je veux dire quoi, c'est plutôt acoustique, assez énergique, assez positif. Ouais. Il y a un type qui m'a dit, c'est un spectacle de chansons pas drôles, mais où on rit beaucoup. Voilà. C'est un peu le principe. C'est-à-dire que les thématiques des chansons sont plutôt sérieuses, mais en même temps, on essaie de pas emmerder ses voisins avec ses préoccupations. Tourner avec une certaine dérision. Ouais. Ben, c'est une manière de voir un peu les choses et puis de voir la vie, quoi. Si je reprends un peu deux titres que j'ai entendus tout à l'heure, Le bonheur est un salaud, Merci pour le bonheur, et puis le père Castor, apparemment tu lui en veux beaucoup quand même. Hein. Mais je peux plus parler du bonheur que du père Castor, que j'ai pas croisé énormément dans ma vie, mais non, mais par exemple, le bonheur, c'est pas contre le bonheur que j'en ai, c'est plutôt contre cette quête obligatoire qu'on nous impose un peu dans la société. C'est comme si c'était à tout prix un but. Alors, on passe sa vie à courir après et on passe à côté de ce qu'on vit là, simple. Ouais. Et puis, c'est pas une révélation, ce que je fais, mais je crois que des fois, en le cherchant pas, on se laisse la possibilité d'être surpris. Puis je pense que le bonheur, on l'a plus dans les surprises plutôt que dans la quête de quelque chose. Ouais. Aventurier prématuré, j'ai franchi mon premier col. Sur deux dans la cordée, mère et ma paire de guitare, le monde à portée de la bouche, et la fierté qui me touche. Pour me décrasser la voix, mon premier cri n'est pas de joie, la vie commence dans un sanglot. Oh, le bonheur est un charron. La vie commence dans un sanglot. Où j'ai les vies poussent les nichons, mes sentiments sont érectiles, et la prose de mon calme sans raide, la grâce de l'antilope, et moi la fougue des talons, ma belle pensée qui galope, et la tronche pleine de boutons, y'a de la grâce de Quasimodo. Oh, le bonheur est un salaud! J'ai vu le clip aussi. Pourquoi le choix de le faire alors je sais pas si c'était en Égypte. En Égypte. Ah ouais, vous avez vu celui-là, pas mal. Ouais. Ouais. Pourquoi une opportunité, c'est-à-dire c'était un workshop en fait pour des cinéastes, un échange entre Suisses et Égyptiens. Et puis ils m'ont dit on fait un boulot et puis tu peux venir là-bas 5 jours au Caire au frais de la princesse. Je me dis ouais, j'y vais. D'accord. Donc après il y a pas de légitimité à tout prix de le faire en Égypte, mais j'ai eu des conditions superbes. C'est bien. Le Caire, c'est quelque chose. Hein. Non, je vous souhaite d'aller, c'est vachement bien. Alain, je faussement imbécile, où chez les filles poussent les nichons, mes sentiments sont érectiles, y'a de la prose dans mon caleçon, elle, la grâce de l'antilope, et moi la fougue de l'étalon, mes belles pensées qui galopent, et la tronche pleine de boutons, y'a de la grâce de Quasimodo, oh le bonheur est un salaud, et y'a de la grâce de Quasimodo, oh le bonheur est un salaud. Tes textes, quand tu les écris, l'inspiration, ça vient d'où? Tu te sers de quoi? Je sais pas complètement parce que, en l'occurrence, en ce moment, je suis en train de faire un nouvel album et j'ai pas énormément d'inspiration. Ouais. Donc j'ai pas la recette pour ça. J'ai le sentiment que des fois sont un peu comme des gouttes d'eau qui font déborder le vase un peu. On accumule des trucs, je sais pas, des coups de cœur, des coups de gueule, un coup d'amour, et puis tout d'un coup paf, et on arrive à trouver quelques mots. Et des fois c'est le calme plat. Donc faut pas trop s'énerver, faut avoir des copains paroliers. Puis des fois vraiment quand je trouve pas, je fais appel à d'autres copains et qui des fois les mots qui nous sonnent, qui nous vont le mieux, sont pas forcément les nôtres. Ça c'est assez, enfin c'est une découverte j'ai fait un peu. D'accord. Mais j'essaie d'écrire en grosse partie le répertoire. Ouais. Et de temps en temps je file ça. Appel, donc, ouais, ouais. Alors on sombre dans le désespoir, la colère et ses éclairs, et les cris de guerre en avant la victoire, à tombeau ouvert. Mais si tout dit c'est déjà trop tard, on ne veut pas de ce spectacle. On court se coller au premier comptoir, on commande un miracle, un manche, c'est pas un manche,
La vie nous balance sur tout et n'importe quoi. Des regards, des matins blancs. Vous êtes en duo, donc c'est un pianiste. Oui. Comment ça, il y a une belle complicité. Moi, je n'ai jamais envie de dire tic et tac, Uncle et Jekyll, parce qu'il y a aussi un vrai jeu de scène aussi c'est par rapport tac, à ça. C'est lui qui est tac. Ouais, c'est ça. Ouais, tac. Ouais, ouais. Puis il y a la cacahuète, la noisette au milieu. Comment ça a émergé? Comment ça? Mais par, arrivé, ce... bah, comme l'inspiration, c'est-à-dire que des fois, on a la possibilité de vraiment de choisir ses musicaux sous quoi. Moi, c'est ouais. plutôt, ça a été une rencontre. J'ai eu une autre formule avec d'autres musiciens pendant pas mal de temps. Puis j'ai eu envie de changer la couleur. Nouvelle énergie un peu, et puis il se trouve que lui pour le coup il habitait maintenant il habite plus, mais il habitait à deux pas de chez moi, et voilà, j'ai été le voir en concert, je lui ai dit tiens, enfin, il connaissait mes trucs, et puis voilà, c'est vachement important l'entourage. Parce que ouais. souvent, c'est toujours la chanteuse qui est en interview et oui. qui en dit, hein, auteur, compositeur, machin. Ouais, on peut bien composer ce qu'on veut, nous, avec trois notes. Et après, les gens avec qui on est autour, ils font les crains, quoi. Et puis, c'est vachement important. Là, en tout cas, c'était, voilà, il y a vraiment un vrai duo, je trouve, une vraie complicité. Tout à l'heure, on disait sans lui, je suis un peu perdu. Ouais. Non, il m'arrive des fois de faire du solo, mais honnêtement, je me sens vachement à l'aise. Et c'est pas rien, même pour la tête et même pour l'inspiration. C'est peut-être une des clés de l'inspiration, c'est de savoir s'entourer un peu. Le mystère. Mon bateau prend la mer et vos yeux les étoiles. Le monde est trop cruel. Permettez que je me retire. Ah non, monsieur, je vous en prie. Vous me feriez trop souffrir. Le monde est trop cruel. Permettez que je me retire. Ah non, monsieur, je vous en prie. Vous me feriez trop souffrir. Pour toi, la chanson française, ça évoque quoi aujourd'hui, à notre époque? Pas mal de choses en fait. Pour tout dire, chez nous, on n'a pas le statut d'intermittent pour les musiciens, donc on est un peu plombier, hein, comme à l'époque il y a 600 ans chez vous. Mais c'est-à-dire qu'on répare un tuyau, on touche des ronds, on répare rien, il se passe rien. Donc
un sentiment d'utilité, certes, parce qu'on essaie d'écrire des choses pas trop débiles, mais en même temps, pas un vrai statut reconnu non plus. Et la première fois où j'ai eu le sentiment d'avoir une vraie valeur à ce métier-là, c'était au Québec, parce que là-bas, les chanteurs ont pas mal de place, ils sont comme un peu passeurs de mots ou défenseurs de la poésie, ou je sais pas, enfin, ils mettent une espèce de vraie valeur, même presque politique, en fait. Quel que soit le style de la chanson, du reste. Et je me suis dit, bah tiens, peut-être effectivement, il y a ça, une histoire de travailler la langue, jouer avec les mots, peut-être une verte. Mais voilà, ça ne veut pas dire beaucoup plus. Puis des fois, la chanson française, ça gave. Je trouve qu'on est assujetti au sens. Ouais. On est obligé. On ne peut pas se permettre de raconter trop n'importe quoi. Des fois, j'adorerais chanter en schmurlutz. Et on sonne et on s'en fout. Ouais. Ou en schmurlutz, mais c'est vachement dur. Par exemple, Camille, elle fait ça. Exactement, elle chante en schmurlutz et je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Et cette démarche-là, elle me plaît. Mais bon, elle a des capacités vocales. Qui nous transperce, quoi. C'est ça. le festival est aussi un tremplin, c'est aussi un festival de découverte. Ouais. Toi, comment tu... Moi, j'ai toujours peur des tremplins, parce que si on saute trop fort dessus, on s'éclate la gueule au plafond. Ouais. Hein on a peur. C'est ouais. Ouais, il faut, donc, je le découvre. J'avais pas compris ça, parce que moi, je joue, on me dit de jouer, en fait, un peu. Donc, je suis vachement content quand je vois que le truc est plutôt important et avec des gens un peu passionnés autour, là. Les gens que j'ai rencontrés pour l'instant, c'est plutôt cool. Donc, je me réjouis de sauter, quoi. Puis après, mais où ça arrive, j'en sais trop rien. Voilà, j'espère que j'ai... Thierry Romanon, c'est une vraie découverte ce soir pour le pays aixois ou le sud. Peut-être bien. Ah, j'ai déjà été un peu dans le sud, mais pas énormément de fois. Donc oui, je fais encore partie des découvertes. Puis à mon âge, j'en ai toujours content. Pour finir, pour toi, le mot de la langue française que tu préfères? Ça, c'est une question pas mal, ça. Pas mal. Ça, il faut pas répondre n'importe quoi, je dirais. Joli coup. Il m'a bien niqué. Non, mais parce que ça, c'est comme si on dit qu'est-ce qu'on aime chez les filles. De répondre juste les dents. C'est bon. Tu peux répondre, hein, moi, sur celle-là, à la rigueur. J'aime les dents. Non, mais j'aime les dents. J'aime bien la dentition. Je trouve que la dentition, c'est quelque chose. Mais honnêtement, j'aime pas que ça. Donc, si je vous dis, par exemple, spontanément, un mot qui sonne joli, remède. Mais honnêtement, remède. Je m'en tape, remède, parce que je suis pas en traitement. J'en ai pas vraiment besoin. Mais question, par exemple, j'aime mieux les questions que les solutions. D'accord. Des fois, par exemple. Mais voilà, c'est ce qui me vient maintenant. Et le mot de la langue française que tu détestes le plus? Mais on est surpris des fois par des mots. Il y a des mots qu'on n'a pas aimé longtemps. Le boudin, par exemple. Quand j'étais petit, j'aimais pas le boudin. Maintenant, j'aime bien ça. Ouais. La matière, hein, la saucisse. Oui, la saucisse. Alors, avec les mots, c'est pareil. Il y a des étapes un peu pour ça. Mais en l'occurrence, dans mon répertoire, j'essaie de pas avoir de la vulgarité gratuite, par exemple. Ouais. Mais je crains pas les gros mots. Ouais. Je trouve que des fois, ça a vraiment son sens et c'est utile. Vous en voulez un? Allez, on y va. Si ma maman m'entendait. On vient de Suisse, nous, donc on est pété de thunes. C'est vrai que j'ai mis la Suisse, c'est un pays où les gens vivent sur les alpages, vêtus de paille, les vaches sont violettes et chient des lingots d'or. J'ai lu tous les journaux, c'est pas demain qu'il fera beau, j'évite le téléjournal, à l'écran, tout va toujours mal. Partout, ça pète, ça explose. On nous a augmenté les doses. La belle actrice a une angine et truc fricote avec machine. Mais moi, par-dessus tout, je veux un des moments doux, oh, et moi, par-dessus tout, le reste, je m'en fous. Ce soir, il n'y a que nous. Un petit mot sur le concert? C'était très bien. Très sympa, ouais, super. Très rigolo, on a bien ri, on a passé un bon moment. C'était super, hein, vraiment, c'était génial. J'ai vraiment été étonnée par la voix et puis par le jeu entre les deux, le piano avec la guitare. J'espère qu'il va se faire connaître parce que vraiment, c'était super. Le concert de Thierry Romanin, c'était l'excellence. Il m'a beaucoup plu. Il est d'un dynamisme exceptionnel. Il fait de l'improvisation aussi qui est remarquable. Il a une voix magnifique, son musicien est aussi extraordinaire, son dynamisme. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Je connaissais pas du tout et quel enthousiasme, mais vraiment, ça m'a plu. It was marvelous, yeah, very, very amusing, great singer. We loved it, yeah. It's my daughter's first concert in France.